C'est parti pour cet épisode bonus où nous allons revivre avec Florian le podium des Jeux paralympiques de Pékin 2008. Mais ouais, voilà, nous on était trois copains en vadrouille entre guillemets en Chine et l'objectif c'était de gagner et on a gagné. Donc là tout le monde est sage, il y a un petit gars au milieu qui fait déjà un peu le con là, qui est pas con, qui lève les bras, qui est content quoi. Donc là du coup il y a tes parents qui sont là. Malheureusement, il n'y a pas mes parents. Ah, d'accord. Parce que je crois qu'ils ne se rendaient pas compte non plus de ce que c'était. Et qu'ils avaient un vol tôt le lendemain. Eux, faudrait leur demander s'ils s'en rappellent de ça, de ne pas avoir vu la cérémonie. Ils me disaient, mais quand même, vous ne pouvez pas vous parler maintenant. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Bon, bah, puis eux, ils ne se rendaient pas compte. Je dis, comme moi, ils ne me rendaient pas compte que j'étais champion paralympique. Quoi. C'était pareil. Donc du coup, podium, Marseillaise, est-ce que vous êtes dans la salle? On a regretté justement. Il paraît, ouais, il paraît que vous faisiez vos valises pour... Vous aviez un vol dès le lendemain, c'est ça? Ouais. Pour pouvoir rentrer... On partait à 3h du matin ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Bah, nous, on avait le travail qui reprenait. Bah oui, oui. Puis Hélène, qui était aussi toute seule. Vous avez pu revoir la cérémonie un peu plus tard? Oui, après, nous l'avait enregistré, on l'a même... Voilà, c'est là. La famille Marien quoi, qui fait les trucs, mais sans... Du coup, ils sont restés pour les prochains podiums. Ouais, mais malheureusement, il n'y a plus eu de The Medaille comme ça. Mais oui, et après, ils sont restés. Mais moi, je me rappelle de voilà, la tête des Chinois quand même, et surtout de Feng, là, qui maintenant est monstrueux, qui était le plus déçu de la Terre. Maintenant, on a eu des regards un peu, parce qu'on était quand même en confrontation. Enfin, moi, je me suis toujours super bien entendu avec lui. Oui. Mais la détresse dans ses yeux, et les Brésiliens, bah, eux qui par contre étaient tellement contents de faire argent, en gros ils étaient peut-être plus contents de faire argent que nous or, eux ils se rendaient peut-être plus compte que nous de ce que valait. Ils ont l'air déjà un peu plus anciens, et puis... Même sans ça en fait, eux pour eux c'est un exploit incroyable. Alors que nous, on avait la chance de dominer l'Europe et un peu le monde, tu vois. Mais je crois que Silva, c'est les seuls jeux qu'il a fait, je crois. Bah après, il est décédé. Il est décédé juste après les jeux. Et avant, à Athènes, il était pas. Et avant, je ne crois pas. D'accord. Gold medalist proudly approach the podium. Yann sort le drapeau et their home country. French will now receive le drapeau à l'envers. En fait, on nous fait des grands signes dans les tribunes pour dire qu'on est content. Et non, en fait, c'était inverser le drapeau. Pour nous dire inverser le drapeau. Et en fait, nous, on leur fait des grands signes. Super, on est content, on a gagné. Ouais, c'est magnifique, ouais. On est carrément content. Regarde, bah voilà, tu vois, eux, ils nous disent inverser, et nous, on leur fait avoir, on a gagné, c'est cool. Voilà, bon, bah, là, on voit un peu le clan français. Ça, c'était quand même plutôt beau et plutôt cool. Voilà, il y avait une très très bonne ambiance. Je reviens sur le clan français, mais on voit que ça date un peu, parce que là, ils ont quand même en main des caméscopes mais tu sais qu'on avait, moi je me rappelle, en 2008, du coup, il y avait une wifi dans la chambre, et c'est le seul endroit où il y avait du wifi. Et les portables, smartphones en tout cas, venaient de, pas de sortir, mais il n'y avait pas non plus très grand. La belle Marseillaise. Ouais, ouais. J'ai le droit de parler ou tu peux pas? Non, mais c'était un. Ouais, c'est un super moment. Moi, c'est mon. On va dire mon plus beau souvenir vraiment des jeux, quoi. Y a pas photo là-dessus. C'était incroyable. Vraiment. Mais incroyable parce qu'on est une bande de potes, quoi. On est une bande de potes contents d'avoir gagné, mais sans... moi vraiment en tout cas je me rendais pas compte. On était jeunes. Pas trop de coupe extravagante, ça viendra après avec les... Alors si, j'avais une coupe extravagante, parce que j'avais des dreadlocks bleu, blanc, rouge. Ah, d'accord. Au début de la compète, mais ça me faisait trop mal, ça me tirait sur les cheveux. Et donc du coup, quelques jours avant, en fait, il y avait un... Il faut savoir qu'il y a un salon... Ah bah ouais, là, il y a Moulin-les-Messes aussi, alors qu'il est là.
Il faut savoir qu'il y a un coiffeur dans le village et que je m'étais fait couper les cheveux parce que ça me faisait vraiment trop mal. We will head over to some summary highlights, and then later on we will go into some more basketball. You're watching Paralympic Sport TV. Voilà, ça y est, vous l'avez remis à l'endroit. Je ne sais pas à quel moment et comment vous avez réussi à le faire. Parce qu'il y a un moment où on a dû comprendre quand même. Que Jean-Philippe il avait le rouge dans les mains et que c'était pas normal. Quoi. Ouais, je sais pas, mais je pense qu'on nous a, voilà, un moment on s'est rendu compte qu'on avait fait une bêtise. C'était dans ce stade-là? Alors ça, c'était le nid d'oiseau. Ouais, c'est là où il y avait l'athlétisme et la cérémonie d'ouverture. D'accord, ok. Et donc après cette pédaille, il se passe quelques jours, il y a la cérémonie Ouais, je me rappelle plus exactement, mais cérémonie de clôture, et puis ouais. Et puis voilà, comme il dit. Dans les prochains épisodes, nous verrons le retour de Florian en France, et nous allons très vite basculer sur les Jeux de Londres 2012. À très vite.